Gerlib, 23h. Parce que je vous dois rien. Non, c'est pas ça. Non, je me fais draguer, mais je me fais pas draguer par les bons. Et quand je me fais pas draguer par les bons, ça me vénère. Ah bah c'est vrai, parce que tu te fais pas draguer par les bons parce que peut-être que t'es pas bonne. C'est tout. Enfin, Jojo. Putain, je peux te dire que mon pote, non, franchement, sans prétention aucune. Moi, non, alhamdoulilah, moi, c'est du 100% naturel. Serais-tu comme cette bouteille? Est-ce que tu regardes ton écran? Serais-tu comme cette bouteille? Cette bouteille, c'est le physique parfait pour une meuf. 42 105 D, mesdames et messieurs. Voilà, il faut qu'il y ait des hanches. Tu m'as dit, t'as dit une fois sur ta radio qu'une vraie femme, elle devait faire du 40 ou du 42, un truc comme ça. Non, je rigole. Non, je rigole. Alors, voilà. Trêve de plaisanterie. J'ai une question importante à te poser. Est-ce que il t'est arrivé de quicher le soir sur la meuf que t'as pris l'après-midi même? Ouais, ça m'est déjà arrivé quand j'étais vraiment, quand elle m'excitait vraiment, vraiment fort, ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et généralement, quand tu le fais le soir, après l'avoir fait avec elle l'après-midi, t'imagines un scénario meilleur. Tu sais, tu tires et en même temps tu dis « la prochaine fois, je ferai mieux comme ça ». Oh putain de merde. Ouais, non, mais pourquoi je fais ça avec vous, moi? Non mais... Genre, tu dis, vas-y, j'ai pas fini avec elle, tu vois, alors que tu en aies les capacités, que tu en aies les capacités ou non, c'est la salade. Voilà, c'est la salade. Ouais, voilà, Moumou, on a compris, Moumou, t'es une maladie. C'est toi le genou. On a compris, Zabi. Parle-nous, s'il te plaît, des Jassassa. Ce qui me casse les burnes, lui, avec... Bassem, parle-nous des sujets plus marrants, ça nous changera. Et marrant, quoi. Pourquoi tu m'as pris pour une otarie dans un cirque? Tu crois que je suis là pour te faire rire ou quoi, moi? Nous sommes là pour constater, mesdames et messieurs. Et c'est toujours pareil, hein. Ça va toujours dans le même sens, hein. C'est toujours les mêmes histoires. Arrêtez de me dire non. Ah ouais. Je me calme pas, parce qu'à cause d'elle, on est pris pour des PD. Je me calme pas, moi. Je me calme pas. Allô? Ah ouais, oui, c'est salam alaikum. Et ce que t'as dit, c'est vrai, tu vois. C'est vraiment quelqu'un, entre guillemets, comme moi, tu vois. Pas mieux, pas pire. Quelqu'un comme moi, tu vois. C'est ce que j'aimerais pour mes filles un jour, Inch'Allah. Mehmet, tu as le droit de demander quelqu'un comme toi si t'élèves des perles. Mehmet, je crois que je comprends pas. Il n'y a rien au hasard. Moi, je t'encourage à... Il y a beaucoup de gens qui disent « fornicateur, fornicatrice ». Bon, vous connaissez les « qui m'a tout d'un tout dit ». Bon, voilà. Ou l'autre, ce qu'elle m'a dit. Qui m'a mis tout. Ça beurre. Voilà. Alors, la femme en fond d'écran sur son profil Facebook, cette sombre pute. Alors, c'est marqué « sabre » et dans la case « relation », elle marque entre parenthèses. C'est compliqué. Normal, t'es une pute. Attends, voilà. Je suis un ami, bon ami, mais genre, je suis un peu un poison. Ça veut dire... En informatique, bref, je fais des choses et je sais que tout le monde fait sur les réseaux, etc. Ses photos, voilà. Tu vas voir ses photos, tu pirates son truc. C'est... Non, mais t'es fou. Non, mais moi pirate-moi, tu verras que du halib. J'aime bien contrôler mon environnement quand tu fais une bêtise, comme ça, je le sais. Un verre de halib et une date. Tu l'emmènes manger des glaces, tu l'emmènes à la bien, frère. Et marche avec elle, hein. Marche un peu vers l'eau, marche un peu avec elle. Ventura, tu connais un peu? La quoi? Porta Ventura, c'est connu à... Ouais, mais à frérot, Barcelone, un exemple, tu ramènes pas ta femme à Porta Ventura, frérot. Tachem. Tu ramènes pas... Non, frérot. Mais loue un petit bateau, tu vas faire les îles, qu'est-ce que tu l'emmènes à Port Ventura? Il va voir plein de gens, et ben ils vont la frotter, ils vont la... Frérot, je comprends pas. Wallah, je comprends pas. Tu vas dans des endroits... où il y a que la lèpre, il y a que l'hépatite B. Et tu te demandes, Port Ventura, tu vas avec tes enfants. Tu ramènes pas ta femme là-bas. Tu vas lui acheter quoi? Des pommes d'amour? une barbe à papa? Voyons, frère. Non. Et tenez vos filles un petit peu, parce que j'ai un garçon, je le gère, donc les filles, voilà, faut... Ma sœur, tu t'en fous. Toi, ton fils, au pire des cas, t'iras le chercher en garde à vue. T'iras pas récupérer ta fille dans un hôtel miteux. Elle sera dans une chambre. À côté d'elle, il y aura un travelot maghrébin. De l'autre côté, il y aura un chauffeur routier tchèque. Hamdoulé, je préfère aller récupérer mes gosses
en Gardave que ma fille est en Formule 1, c'est parmi. Ah, attends, excuse-moi, Sofiane, une petite parenthèse. On vient de me dire que le live de la TH est devant celui de France Info. France Info qui sont trois camps en direct. Alors, big dédicace. On met un peu de musique en ces temps de crise. On s'applaudit, mesdames et messieurs. Big dédicace à la TH. Mardi, 4K en direct. On est devant France Info. Normal, on leur a pris leur micro. Big dédicace à vous. À la bien. Donc ouais, Sofiane, on sait pas comment ça va se passer. Dépanne Arnouf, je te dépanne mon paf. Tiens, mon paf. Mehdi de Sonba, nique ta mams. Ça fait une heure que tu m'appelles sur Starfallolavim. Les gens, ils ont plus d'honneur. Une heure qu'ils m'appellent. Passem, j'ai averti ma famille au bled, j'ai envie de passer à la radio. Trou de balle, putain. Bassem, tu conseilles d'acheter une classe A? Mehdi, qu'est-ce que t'as, Mehdi? Tu fais 76 kilos, tu cherches à prendre de la masse. Tu vas acheter une classe A. Qu'est-ce qu'elle a, Chiquita, là? Eh oh, grand! Muscle ton jeu! Muscle ton jeu, Mehdi, achète des voitures d'hommes! Oh, Audi A8, Audi RS6, série 7. Prenez des voitures d'hommes. Même Michel Berger le chantait. Dans les grandes voitures. Mais les princes de la ville, voilà. Deux fois en mode rancard, on est sorti se balader. Et ben, pour te dire, c'est quand c'était l'heure de la prière, et je lui disais, bah vas-y, prends tes affaires parce qu'on va aller prier à la mosquée quand c'est le rassur et tout. Et par là, hein, à aucun moment j'ai senti que. Je peux plus, excuse-moi, je peux plus. La tête de ma grand-mère, je peux pas, excusez-moi les gens. Samahni, je t'ai raccroché au nez, je peux pas, la tête de ma grand-mère, je peux pas, trop, c'est trop. Les gens, ils se baladent sur les bords de la Saône, allez, viens, c'est l'heure du fajr. Non, arrêtez avec la surenchère. Arrêtez, je vais la sortir pour de vrai. Je vais la mettre ici, là. Arrêtez avec ça, là. Non, je peux pas, moi. La tête de ma mère, je peux pas. Yes. Ça va, bébé? 11. Et toi? 3. Ma petite Sana. 12. Ça va, tu vas bien? 13. Allez, nique ta mère, de mon rêve. Allez, nique ta maman, ça va, hop. 15. C'est pas possible. Moi, je la fuis depuis des années. Quand il y a ma cousine, elle m'a dit « Bassem, chauffe te fais le Facebook. Wallahi, tahfoun, ajbeni, ferme ta grand-mère. » Voilà, ouais. Moi, j'ai des cousines, elles sont très... c'est très délicieuse. Je les déteste. Elles ont des petits chiens et tout. Elles disent « On boit le thé. » Wallah, bref, femme tunisienne dans toute sa splendeur. Mais bon, allô? Allô? Oui, allô, Salem. Oui, salam alaikum. C'est Yassous, en fait, j'appelle de Hollande. T'appelles de Hollande. D'accord. Big dédicace. Oui, voilà. Donc voilà, moi, j'ai deux sujets, au fait, à parler. C'est, au fait, d'admétissage, là. Et au fait, j'ai un pote, il est devenu homosexuel. Donc, d'accord. Donc, toi, nique ta mère, tu veux faire fermer ma radio? Tu veux me revoir en comparution immédiate, donc je parle pas de ça. Merci beaucoup. C'est quoi tous ces gens-là? Bref, voilà, c'est fou. Ça. Mais ça me tue. C'est comme quoi, je me le répète jamais assez. Rouya, j'étais un jour à Carrefour, assis sur un banc, dans le centre commercial. J'attendais que Micromania ouvre. J'étais là-bas, j'étais devant. C'est pas ce que je vois. Il y avait un magasin pour putes, enfin pour femmes, qui s'appelle Claire's, je crois. C'est des boucles d'oreilles, des... Bon, Claire's. Wallah l'adim. La décoration, c'était un mec qui était en train de faire la décoration du magasin. Il mettait des fleurs, il mettait... J'ai envie. Moi, en ce temps-là, j'étais pas énervé. Mais aujourd'hui, si je vois ça, je rentre dedans, je filme. Hein? J'ai une question à te poser. Tu penses pas qu'en train de boucher la place d'une petite stagiaire qui sort du bac, qui aimerait bien bosser, qu'est-ce que tu fais là, toi, à mettre des bracelets, à mettre des perles, fils de pute? On n'a pas besoin de toi en construction. Quand le bâtiment va, tout va. Mais vous rigolez ou quoi? Les gens, Macron, là où je suis d'accord avec lui, Macron, c'est quand il dit « Traversez la rue, vous aurez du travail ». Ben c'est normal, les mecs, ils veulent pas aller sur les chantiers. Ils veulent béton. Ils veulent être dans leur... faire des start-up, faire des trucs. C'est de la merde, frère. C'est de la merde. Donc pour moi, on est tous coupables, je pense. C'est vrai.
Non, il faut que les femmes, vous sachiez qu'une fois que la semence sort, vous ne nous intéressez plus, quoi. Enfin, c'est pas le moment. Lève-toi, mets ta bedaya, fais un peu de mousseline, arrête de casser les couilles, quoi. Voilà, quoi. Vous, c'est cérébral, nous, c'est mécanique. On s'en bat les couilles de vous glisser des mots doux après l'amour. Ça va, t'as aimé? Non, normalement, t'as même pas besoin de parler avec elle. Si tu cherches tes affaires de partout après avoir Chanel, ça veut dire que t'as tout arraché, frérot. Ouais. Le silence est d'or. Il y a des silences qui disent beaucoup. T'as pas besoin de parler. Il suffit que tu la vois, comme Patrick l'étoile, là. Elle est là et elle te pose des questions. Vous étiez combien? Vous étiez combien? Et toi, tu remets ton t-shirt en la regardant de travers. Ouais, ouais. Ouais, bah, bien sûr. Un verre de halib et une date. Lundi, on va essayer de faire un gros débat, on va parler un petit peu. Est-ce que les vierges... Est-ce que les non-vierges méritent une dot? Sur la tête de ma mère que je ne lui donne pas un euro. Je suis un fils de pute. Hakarabi. Une non-vierge, elle ne mérite pas de dot. C'est clair, net et précis. Moi, je vais acheter une dot. Moi, je vais aller épouser une non-vierge et son père, il va me dire, il faut lui acheter le veb, il faut lui acheter le semouet. Donc ça, on va en parler. C'est tout, les non-vierges, elles ne méritent pas. Elles, vous ne méritez pas de dot. De toute façon, les seules filles vierges, elles sont nées en 2018. Non, bon, voilà. Je pourrais pas habiter là, t'imagines, toute l'année, il y a du soleil. C'est-à-dire, t'as pas ce plaisir à regarder l'équipe du dimanche, tu sais, quand il pleut. Ou tu vois, t'as pas ce plaisir de... Quand t'es sur... Tu sais, quand t'es sur elle. Tu sais, quand t'es sur elle et tu lui parles ballement. I swear I sent you. Tu fronces les sourcils. Ziggy, Chanley's formation. Et là, il y a tes gros doigts de pied qui claquent. Papa! Au sol. Tu éprouves pas ce plaisir. Quand tu la cartonnes, tu entends des bruits de gouttes tomber sur le volet. C'est bon, ça. Ok. Non, non, je suis pas anti-blanc, je suis anti-fils de pute. Juste après que t'as Chanel, quand c'est son moment, là, la femme, tu sais, la femme, elle casse les couilles. Après que t'as Chanel, nous, c'est mécanique. La seule chose que tu veux, après que t'as Chanel, c'est rouler un Arnouf, boire un coca, mettre la télé. Elle, non! Elle vient, elle s'emboîte à toi! Sinon, tu m'aimes? Sinon, tu m'aimes ?